Les formations professionnelles et l'auto-emploi, quelle contribution dans la lutte contre le chômage? Thème de cette conférence animée par Fofier Kofi, représentant le ministère d'État, ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à l'occasion de la journée d'information et d'orientation. Pour faciliter leur orientation, mais aussi leur insertion socio-professionnelle, le conférencier invite les élèves à se référer au calendrier des examens et concours élaboré par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Selon l'intérêt qu'ils portent à la filière donnée, ils peuvent opter. Donc ils aillent vers nos inspecteurs d'orientation qui vont leur expliquer les différents corps de métier qui existent, les différentes filières de formation qui existent, afin d'opérer un choix qui va leur conduire à une formation de qualité, gage nécessaire et indispensable à une insertion socio-professionnelle. Pour les organisateurs, cette journée vise à amener les élèves en fin de cycle et aussi les élèves déscolarisés à opérer de bons choix pour une carrière professionnelle réussie. C'est l'orientation qui donne un sens aux études. Si vous avez de bonnes notes en classe et que vous ne savez pas ce que vous devez faire avec ces notes, ça n'a pas de sens. Une conférence fort appréciée par les élèves. Je suis venue assister à cette conférence pour pouvoir mieux me former et puis faire de bons choix par rapport au futur. J'ai trouvé cela très intéressant, le fait qu'on a eu une réunion. Et je trouve que c'est vraiment un moyen que nous avons espéré tant et cela nous est parvenu. Cette première édition des journées d'information et d'orientation a été aussi l'occasion pour certaines écoles et établissements d'enseignement technique et professionnel d'exposer les travaux réalisés par les élèves et étudiants.